Has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. Finding former President Donald Trump has committed fraud. I just want to find 11,780 votes. President Biden making it official he is running, well aware of concerns about his age. I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. au texas à hein, william qu'est ce qui se passe au texas allez c'est le space de la chute et c'est maintenant Bonsoir, bonsoir tout le monde. Heureux de vous euh, retrouver en euh, ce lundi soir, euh, à 21h, 21h en Europe, 15h euh, au Québec. Heureux de vous euh, retrouver pour cette émission spéciale consacrée à la question qui était sur toutes les lèvres sur X ce week-end Mais qu'est-ce qui se passe au Texas hein? Qu'est-ce qui se passe au Texas on va en parler, je vais, vous raconter, je vais vous raconter tout ça, ce qui se passe vraiment au Texas, ce qui se passe vraiment sur les réseaux sociaux, ce qui se passe vraiment euh, au sein euh, de la campagne euh, de Donald Trump et de voir comment euh, tout ça, euh, tout ça euh, est en train de, de s'imbriquer. Euh, ça aurait été sympa. Bon, je garde, je garde l'œil sur ce qui est en train de se passer. On attend toujours euh, des nouvelles euh, sur deux fronts. On attend des nouvelles de, de la part du Eugène Goron qui a dit que normalement, d'ici le 31, donc d'ici donc euh, mercredi, euh, on devrait connaître le montant de, euh, de l'amende que Trump va devoir payer à, dans l'affaire des fraudes. Euh, donc je surveille ça, je surveille la décision de la Cour fédérale d'appel euh, d'ici sur la question de l'immunité euh, de Trump. Donc on ne va pas en parler aujourd'hui. C'est pareil, je voulais revenir parce que il euh, y a énormément de questions et puis j'ai lu à peu près encore une fois euh, tout euh, et n'importe quoi. Euh, je, euh, je voulais revenir sur la, la, la suite euh, de, des 83,3 millions de dollars de condamnation euh, de Donald Trump euh, dans l'affaire euh, qu'il opposait à Eugene Carroll. On va garder ça pour le jour, peut-être demain, peut-être plus tard, peut-être mercredi, où Ngoron va se décider et pour euh, qu'on mette en perspective ce que ça représente, le total des amendes de Donald Trump et de savoir s'il peut les payer, comment il peut faire, etc. Donc on va garder euh, tout ça. Euh, on va euh, aujourd'hui... Euh, se consacrer euh, particulièrement euh, au Texas parce que c'est euh, quelque chose d'assez euh, euh, emblématique. Je sais que c'est une question qui est venue euh, vous euh, gratter euh, tout le week-end. J'ai reçu beaucoup de, de messages, de de, 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 de de DM pour, euh, pour ceux qui avaient encore accès me euh, me, me demandant ce qui est en train de se dérouler. Ma... Ma, ma timeline a été noyée de messages venant de comptes vous savez ces comptes avec 5 6 7 8 9 10 euh, 10 chiffres donc des comptes des comptes créés ces derniers temps euh, soit sous forme de robots soit euh, des comptes pro-Trump, euh, pro en tout cas de l'extrême droite américaine, me posant exactement la question. Donc je me suis dit, il faut en parler. Et puis surtout, euh, il faut euh, continuer à donner euh, bénévolement un coup de main euh, à nos amis euh, journalistes et euh, correspondants et experts euh, francophones qui pourront après venir euh, piller euh, ce que j'écris, euh, comme ils l'ont fait aujourd'hui. Bien gentiment avec mon long tweet sur Taylor Swift, venir le piller et en faire des chroniques plus tard sur différents médias. Mais on s'en fout, ça en fait partie du jeu. Je n'écris pas pour eux, mais j'écris pour vous. Mais en tout cas, salut les amis. Euh, donc voilà, on se retrouve tout de suite. Euh, J'ai oublié de dire de, de dire de dire bonsoir au chat. Évidemment euh, heureux de vous retrouver. Euh, L'émission a été un petit peu euh, euh, un petit peu euh... Annoncé euh, en, der en dernière minute, je ne savais pas encore ce matin si j'avais le temps avec mon activité euh, professionnelle, 20 ben, 000 trucs à régler, euh, de la faire. C'était une mission que je voulais faire déjà samedi. En tout cas, euh, on est en plein. Heureux de voir que vous êtes, euh, que vous êtes euh, là. Euh, bonsoir Thomas, bonsoir Vincent. Il y a déjà, euh, y a déjà un super chat, donc je voudrais remercier euh, Denis pour son super sticker, pour son soutien à l'émission, c'est évidemment très apprécié. Si vous nous rejoignez pour la première fois, une des manières très efficaces et euh, complètement gratuites de soutenir la chute et de vous abonner à notre chaîne, vous êtes de plus en plus euh, nombreux, ça fait euh, extrêmement plaisir. Cliquez sur la de notification parce que comme je l'ai tweeté hier, la semaine dernière a été une mauvaise semaine pour Trump, c'est le paradoxe parce que je sais on va dire ouais mais regardez les, les primaires le score qu'il fait etc il y a les primaires d'un côté qui ne sont que des primaires euh, il y a certains sondages qui ne sont certains sondages euh, tirer des conclusions aujourd'hui sur les sondages c'est une faute professionnelle je le répète voilà euh, et euh, 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 au delà de ça il y a eu la la, la condamnation la condamnation à 83,3 millions de dollars qui pose des véritables problèmes à Trump, des problèmes financiers, des problèmes politiques. A, pendant, pendant trois jours, je peux vous le dire, les médias américains ont été obligés de parler de cette affaire qu'ils avaient ignorée et de reposer la question dans les termes du fait que Trump a été condamné pour une agression sexuelle qui est en réalité un viol. Donc il y a une partie des États-Unis qui a découvert que Trump était aussi un violeur. On va voir comment, quels seront les effets dans, dans l'électorat. Évidemment, je ne parle pas ici de sa base qui lui pardonnera, lui pardonnera tout. Euh, d'ailleurs elle pardonne que Trump euh, jour après jour continue à lui faire les poches. donc euh, euh, voilà à partir de là c'était clair qu'elle lui pardonnera tout. Euh, donc euh, ça c'était un point important donc c'était une mauvaise semaine mais sincèrement cette semaine qui arrive là, elle va être pire, elle va être pire, elle va être, euh, elle va être terrible la décision d'Angoron. J'espère enfin la décision de, euh, de, la, de la Cour d'appel sur cette question euh, d'impunité qui va mettre fin, euh, provisoire peut-être en attendant de voir si la Cour suprême s'empare du cas mais mettre fin euh, mettre fin à la, à à la, aux options de Donald Trump euh, de, euh, de, de se défendre de toutes les accusations qui sont contre lui en disant que de toute façon euh, comme il est président euh, et il était président à l'époque on n'a pas le droit de l'enquêter donc la semaine va être terrible et donc on va euh, intervenir sur le papier je dis pas que ce sera le cas mais sur le papier on avait avec Thomas on avait euh, on, a, on avait de quoi faire peut-être quatre émissions cette semaine. Je ne dis pas qu'on va faire quatre émissions, mais en tout cas, c'était le cas. Donc, euh, abonnez-vous euh, abonnez à, euh, à la chaîne. Félicitations, euh, Marie euh, Laetitia, euh, qui est une membre des chutistes depuis, euh, depuis trois mois. Donc, il y a accès à nos emojis. Et en parlant d'emojis, euh, oui, plus qu'aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous faire un papier dans ce, dans ce sens-là que très certainement je vais poster sur KissKissBangBang Bang, mais que je, dont je vais ouvrir l'accès à tout le monde dans les prochains jours sur pourquoi Trump est grillé. Vous savez, il toast. Donc, c'est le moment, si vous avez l'emoji, de l'utiliser, de notre emoji de Trump grillé. En tout cas, merci Marie-Laetitia pour ta fidélité et ton soutien ici sur Kiss Kiss Bang Bang et tout ça. C'est vraiment très, très sympa. Merci également à Gilbert pour le super chat. Donc, voilà. Donc, on va y aller. On va parler du Texas qui a été un sujet dominant sur X. Donc, petite précision avant pour comprendre. Euh, X est une chambre d'écho, a toujours été une chambre d'écho, euh, euh, avant l'arrivée d'Elon Musk. La nature de cette chambre d'écho a changé depuis euh, l'arrivée d'Elon Musk, euh, ça c'est évident, mais euh, dans la réalité, euh, Twitter, ce qui était Twitter, et ce qui est devenu X, N'a jamais été le, 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 la véritable vie, le véritable monde. Je vous parle des États-Unis, comme je vous parle du Canada, du Québec, ou comme je vous parle de l'Europe. Et souvent, c'est pour ça que, qu'au lendemain d'élection, lorsque les résultats tombent, il y a un décalage de personnes qui sont habituées à uniquement passer du temps sur les réseaux sociaux et ont le sentiment que ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, les réactions, euh, euh, Qu'ils lisent sur euh, Twitter maintenant X euh, et euh, correspond euh, à la réalité. Ça marche dans tous les sens, dans tous les camps. Euh, que vous soyez de droite, de gauche, euh, indépendant, euh, pro-démocratie, anti-démocratie, etc. On a ce sentiment de penser que tiens, si euh, tout le monde, en tout cas tout le monde envoie les messages et tente d'écrire ça, c'est que c'est euh, un sujet qui euh, euh, fascine, qui, euh, qui euh, hante et qui euh, euh, prend l'attention euh, de tous les citoyens. C'est faux. Et donc, euh, il ne faut pas confondre euh, ce qui est un épiphénomène sur les réseaux sociaux et la réalité. Et d'autant plus lorsque euh, nous sommes dans une campagne électorale et que deux... Euh, le, le réseau so social en question, ici euh, X, est devenu une chambre d'écho complètement euh, organisée euh, de euh, l'extrême droite et particulièrement ici de l'extrême droite américaine, qui euh, utilise comme ils ont utilisé pendant des années Fox News, euh, des euh, le, euh, X pour installer, installer un un problème qui est souvent euh, fabriqué, basé toujours sur une réalité. Souvenez-vous de notre de notre de notre émission euh, sur la guerre contre Noël, par exemple. Comment cela avait été fabriqué euh, pour un, arriver que ça devienne un sujet dominant dans les de, qui oblige la classe politique à, euh, à, à à la faire vivre et du coup à se positionner par rapport à ça. Euh, donc X est devenu ça. Et ce qu'on a vu ce week-end, on va évidemment revenir sur ce qu'est la partie réalité, ce qui se passe vraiment euh, au Texas, on va vraiment parler de la crise à la frontière, etc. etc. Mais c'est exactement ça. Il y a eu une coordination de, euh, de, 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 de la multiplication des informations. Euh, on, peut, on peut après, et c'est fait souvent de manière admirable, euh, traquer euh, l'origine, le poste du départ. On avait vu exactement la même chose autour du, du 6 janvier, où euh, il y a euh, quelques comptes influents qui commencent à être en boucle sur un sujet, puis c'est repris, puis ça remonte, etc., etc. Euh, nous sommes exactement dans la même chose. Pourquoi ce week-end Pourquoi ce week-end euh, Certes, il se passe des choses en ce moment. On va en parler. Euh, au niveau du Texas, mais euh, cette énorme push qu'il y a eu ce week-end et qui a fait, et c'est un push intelligent, c'est-à-dire euh, en ce moment, on voit qu'il euh, y a, je vous avais fait un tweet dessus euh, euh, il, y a, il y a quelques jours, il y a une nouvelle utilisation des euh, médias sociaux pour, euh, pour essayer de convaincre. Euh, non seulement euh, affirmer des choses ne suffit plus, euh, non seulement partager des faux, partager des fausses vidéos, on va en voir quelques exemples, euh, ne suffit plus, il faut essayer de trouver une manière de connecter. Euh, de nouveau euh, avec euh, un auditoire et qui n'est pas forcément un auditoire convaincu. Et donc ce week-end, il y a eu cette tentative de connexion avec un auditoire euh, qui, qui a fonctionné parce que euh, certaines, des, certaines des personnes qui m'ont contacté ne sont pas euh, dans, cette, euh, dans cette grille de pensée-là, mais ils ont été, euh, ils ont été euh, touchés. Euh, par euh, cette campagne, elle s'est axée pour la première fois sur une question. au lieu de dire la guerre civile est en train de se passer euh, au texas, euh, nous sommes au bord d'un conflit euh, américano-américain au texas, ou n'importe quelle autre thèse qui ont été euh, euh, également poussées par euh, l'extrême droite depuis, euh, depuis quelques jours, là on a posé la question mais qu'est ce qui se passe au texas? Pour que une personne lambda, c'est pour ça que j'ai commencé l'émission par ce titre-là. Pour que une, émission, une personne lambda euh, qui voit passer ça d'une certaine manière lorsque ça atterrit dans sa timeline, se dise ok, c'est pas de la manipulation, c'est une véritable question. Qu'est-ce qui se passe au Texas et pourquoi il y a eu ce gros push ce week-end euh, Il y a différentes raisons. On va voir que c'est aujourd'hui le euh, non seulement un des plans, mais c'est le seul plan de Trump pour arriver au pouvoir. C'est pas nouveau. Hein, on, va, on va détailler ça. Mais parce que euh, ça, ça, ça c'est aussi euh, arrivé à un moment où, euh, quelques heures avant, le euh, vendredi soir, euh, Trump a été condamné à 83,3 millions de dollars et euh, cette condamnation a rappelé que Trump était un violeur. Et donc, d'un côté, de ce côté-là, il y a eu, euh, à côté, un énorme écran de fumée où on a, on a, on a voulu, et ça a fonctionné, que le, le sujet qui soit euh, trending sur euh, les réseaux sociaux, le premier sujet soit non plus Trump le violeur, hein, c'est un des hashtags, Tr Trump rapist, mais euh, que ça soit qu'est-ce qui se passe au Texas. Et euh, les euh, stratèges derrière ces campagnes, et ce sont vraiment des stratèges, et c'est là où ça devient euh, extrêmement dangereux, euh, derrière ces campagnes de communication politique, ont trouvé que de poser la question était euh, une manière beaucoup plus efficace que d'affirmer. Ils ont affirmé des tas de choses mais de poser la question, ça permettait euh, de passer euh, à travers ces espèces de frontières, c'est le cas de le dire, entre groupes qui sont complètement opaques aux uns et aux autres, qu'il ne veut plus entendre parler des arguments des uns et des autres, d'un coup, en, postant, en, en posant une question, on passait à travers ces frontières-là. Et donc c'est pour ça que la question s'est imposée, c'est pour ça qu'il y a eu une campagne de poste de la question. La question principalement, lorsque vous faites des recherches, vous allez voir que cette question, qu'est-ce qui se passe au Texas, qui a d'ailleurs été reprise l'étendard à la main par l'extrême droite française, francophone, j'ai reçu des centaines de messages. À ce niveau-là, venant de comptes d'extrême droite, je suis allé me promener sur euh, leur fameux euh, compte et c'était vraiment une stratégie euh, organisée. À chaque fois que, euh, il y avait un poste qui rappelait que Trump était un violeur, euh, pendant des années, à chaque fois qu'on euh, écrivait un poste sur, euh, euh, sur Trump et les affaires, on venait poster systématiquement une campagne de réponse, souvent faite par des robots, qui était de dire Oui, mais qu'est-ce qui se passe Donc, le what aboutisme, le, le about qu'est-ce qui se passe avec Hunter Biden On a fait exactement la même chose ce week-end. Qu'est-ce qui se passe avec le Texas donc c'est c'est ce que j'expliquais dans le tweet annonçant l'émission. C'est la première chose à garder en tête. C'était une longue une petite parenthèse, en tout cas une longue introduction et euh, qui permet de mieux comprendre et de mieux placer euh, tout ce que je vais vous expliquer maintenant. C'est que c'est avant tout une euh, campagne de manipulation de l'extrême droite américaine pour un D'abord, protéger Trump et deux, lui permettre d'arriver à la Maison Blanche. Je vous raconte ça tout de suite après une pause. lancé, je voudrais remercier euh, Amael, salut Amael, ben, j'espère que malgré tout les circonstances ça se passe bien pour toi euh, en France, en tout cas merci de ton euh, soutien, merci euh, Anne-Lise euh, aussi euh, qui est également une des fidèles sur KissKissMacBank et sur, et, sur, et sur notre chaîne YouTube, merci beaucoup euh, Anne-Lise euh, Euh, Au-delà de, euh, au de, 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 cette, de cette explication sur la raison du pourquoi et du comment de ce qui se passe maintenant, euh, revenons sur euh, ce qui se passe ré réellement sur le terrain. Donc, euh, le Texas, où pour euh, information j'ai vécu euh, près de 15 ans, euh, le Texas partage donc une frontière avec, avec le Mexique et euh, cette frontière, à tort ou à raison, et le sujet d'énormément d'attention et encore plus euh, en euh, période euh, en période électorale euh, et donc ça va être un des enjeux si ce n'est pas l'enjeu c'est peut-être le même le seul enjeu c'est le seul thème de la campagne de Trump pour 2024 euh, au moment de l'élection. On l'a vu d'ailleurs, c'est un des, enseign des, des enseignements euh, qui est extrêmement intéressant euh, lors, des, lors, lors de ces primaires. Hein, nous sommes dans, on parle ici de l'État l'Iowa et le New Hampshire, qui pour le coup sont très loin de la frontière euh, de, la, de la frontière. Euh, de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, mais on a vu que chez les électeurs euh, américains, euh, souvent, euh, la frontière, la, les problèmes de la frontière, l'immigration, euh, étaient le sujet euh, numéro un euh, d'inquiétude, euh, et c'est en train de passer devant l'économie. Donc, pourquoi euh, pourquoi, pourquoi ça, pourquoi nous en sommes arrivés là et pourquoi euh, des personnes qui sûrement dans leur vie ne seront euh, jamais euh, confrontées euh, à, euh, à des immigrés euh, clandestins euh, ou pas, je ne sais pas si vous connaissez l'Iowa, mais la population euh, d'origine de l'Honduras, du Mexique ou euh, de, des États d'Amérique latine est extrêmement, euh, est extrêmement limitée, mais pourquoi euh, ces gens-là euh, sont, euh, sont dans la peur Parce que la peur... Euh, comme, euh, comme ça a été écrit dans une chanson de blues, n'est-ce pas Thomas, euh, est, est, est un mécanisme qui est extrêmement efficace en termes politiques. Il est euh, tellement efficace que depuis toujours, euh, en tout cas depuis les années 1920, euh, c'est un thème qui est euh, utilisé par l'extrême par droite et la droite américaine, le, par le parti républicain, pas tout le parti républicain, parce que, euh, au contraire, pour des raisons, euh, des raisons économiques, euh, le parti républicain a souvent été, et euh, le parti républicain euh, continue à l'être, euh, une source d'encouragement à, à cette immigration pour faire une main-d'œuvre euh, non qualifiée euh, qui est peu chère, qui est prête à aller travailler, dans des conditions difficiles, aller ramasser euh, les fruits et les légumes que, euh, que les Américains consomment après, aller travailler euh, dans les euh, abattoirs, euh, où euh, les Américains ne veulent plus aller travailler, travailler tous les travaux, les, les, les boulots de construction, etc., euh, l'entretien, euh, tout, tout, tous tout ces travaux que les Américains ne font plus. Bah, donc c'est pour ça que le Parti républicain, en fait, pendant des années, et, 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 et d'ailleurs euh, euh, Trump lui-même, euh, au sein de ses opérations, que ce soit mar mais ses euh, golfs, mais euh, aussi euh, ça, il, Trump fait du vin. Euh, donc, euh, ses vignobles, euh, tout ça, il utilise cette, cette, cette main-d'œuvre qui coûte assez, assez peu cher, mais c'est un enjeu politique, un enjeu politique qui date, euh, qui date des années 20. Euh, il faut savoir que jusque dans ces années-là, il n'y avait même pas de, 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 de consul entre les États-Unis et le Mexique. Les temps ont changé, certes. Les gens travaillaient, traversaient, euh, traversaient le, le, la, 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 la frontière euh, sans aucun problème. Et le premier, la première organisation à avoir fait de la frontière un enjeu majeur aux États-Unis et le Ku Klux Klan dans les années 1920, en expliquant que la frontière permettait à, à des immigrés de religion juive de passer de passer la frontière et surtout qu'il fallait protéger la frontière parce que c'est comme ça que les États-Unis allaient être Envahi par des immigrants chinois. Ouais, J'ai bien dit chinois. Le chinois, dans les années 20, euh, était le euh, mexicain ou euh, l'habitant d'un pays d'Amérique latine euh, aujourd'hui, ou d'un pays d'ailleurs d'Afrique, parce que de plus en plus, le discours est de dire que ce ne sont plus euh, uniquement des, euh, des habitants d'Amérique latine, d'Amérique du Sud qui passent cette frontière, mais euh, c'est euh, des, euh, des, des immigrants qui viennent euh, de pays euh, du, euh, du Moyen-Orient euh, et de l'Afrique, des hein, fameux migrants. Donc, depuis, euh, depuis ces années-là, euh, il y a eu plus ou moins euh, une utilisation de la frontière comme un, argu un argument euh, pour, euh, pour, pour être... Euh, pour être élu pour en tout cas un argument de, de campagne où euh, on fait peur à l'Américain euh, euh, moyen euh, qui va décider de dire oui il faut vraiment quelque chose. Et euh, il y a eu un ac une accélération euh, de euh, ce phénomène sous Trump. sous Trump. Et là on va revenir à la stratégie de Trump pour gagner en 2024. Je, je, on a fait une émission euh, il y a, il y a maintenant deux semaines sur où on était la situation euh, où on en était la situation euh, aujourd'hui en euh, en termes, en termes, en termes électoraux et pourquoi euh, je pensais que euh, aujourd'hui euh, 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 devrait euh, devrait être être réélu et euh, dans ce cadre là je vous expliquais que euh, Trump doit euh, doit euh, s'assurer que euh, le camp d'en face ne vote pas forcément pour lui, mais ne vote pas pour, pour biden. Euh, donc ça, c'est un point. l'autre point, et c'est extrêmement clair dans ses discours, et l'autre jour, euh, interrogé rapidement à la sortie d'un véhicule euh, entre deux meetings de campagne dans new hampshire, lorsqu'on lui demandait euh, euh, comment il allait réconcilier plus tard euh, le fait qu'il euh, il était extrêmement dur avec les électeurs de Nikki Ali en expliquant que si les, que les personnes qui soutenaient Nikki Ali euh, allaient être euh, sorties euh, du club, euh, du club, euh, du club MAGA, il a dit deux choses qui étaient extrêmement intéressantes. Euh, il a dit que, un, euh, la plupart se rangeront à lui et il a raison, ça a été aussi le cas en 2016, et c'est souvent le cas, il y a cette discipline de parti. Euh, au sein du Parti républicain, qui fait qu'il euh, a été élu comme ça, des gens qui, qui ne voulaient pas voter pour Trump, qui ne supportent pas vraiment Trump, mais qui se sont dit bon, il va nous permettre de gagner. Et le deuxième point qu'il a mis en avant, en disant mais de toute manière, j'en ai pas besoin. Parce que le calcul de Trump est le suivant son calcul, c'est de dire ok, on va réappliquer ce qui a marché en 2016. La situation est différente. En 2016, si Trump a été élu, c'est aussi parce que les Américains ne l'avaient pas encore essayé. Il y avait cette partie de nouveauté, de surprise. Ce n'est plus le cas en 2024. Mais sa campagne s'était basée sur, sur trois points majeurs. Un, éloigner les électeurs démocrates incertains de la candidature de Hillary Clinton. C'est ce qui avait été fait grâce, au, euh, entre autres, avec la candidature, on en a fait cette émission-là, la candidature de la candidate écologiste poussée par les médias euh, pro-Trump et poussée euh, par, euh, par Poutine, euh, d'ailleurs. Donc ça, ça avait été le premier aspect. Le deuxième aspect, ça avait été de euh, renforcer, exciter sa base pour être certain que euh, ces gens-là allaient voter que donc on partait d'une base suffisamment solide qui faisait que l'écart entre, entre cette base-là et gagner ce qu'il fallait pour être élu dans les États clés, on ne parle pas ici, en plus une, il n'a pas besoin d'une victoire de, de, de manière générale, euh, devienne de l'ordre du possible. Et c'est ce qu'on vit actuellement. Euh, en 2024 où euh, Trump a un discours extrêmement qui s'est extrêmement euh, radic radicalisé euh, sur, euh, sur la, la, la vengeance euh, euh, sur euh, la rétribution et euh, tout ça pour s'assurer que euh, est tenir sous pression que jusqu'au bout euh, le bout n'étant pas euh, n'étant pas la, le, 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 le moment où il deviendra le candidat républicain mais jusqu'au bout ça veut dire euh, l'élection, de novembre prochain, que ces gens-là aillent voter. Donc c'est ne pas perdre de voix dans cette base, peut-être même en récupérer quelques-unes en plus, mais être certain que ces gens-là vont voter. Et puis, en 2016, si Trump a gagné finalement, lorsqu'on regarde les, les gens qui ont voté pour lui, c'est qu'il a réussi à convaincre une partie Surtout des électrices euh, dans euh, les euh, ce qu'on appelle les suburbs, euh, qui sont les, euh, les, 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 les 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 banlieues en sortie des villes, mais pas les banlieues dans le sens français, qui sont ces, ces endroits euh, où les, les les banlieues résidentielles où euh, les américains euh, les américains vivent. Et on sait que Trump a cartonné euh, dans cette dans cette dans, dans cette catégorie là et que il a réussi alors qu'on pensait que mon Dieu Hillary Clinton étant une Candidate que les femmes allaient se reporter massivement sur Hillary Clinton, il a réussi le contraire, que des femmes viennent se reporter sur lui. Pourquoi Parce que en 2016, Trump a joué une carte, et principalement une seule carte, hein, qui a été perdue, vue de, vu de France, souvent dans, son, dans, dans la totalité de son discours, qui était celle de la peur la peur de l'étranger. Je vous rappelle que lorsqu'il annonce sa candidature, cette scène surréaliste euh, au sein de la Trump Tower, lorsqu'il descend son, son fameux escalator euh, 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 en or euh, pour annoncer, une des premières choses qu'il fait, c'est son premier discours donc, de campagne, c'est qu'il attaque les, euh, les, les Mexicains. En expliquant que euh, les, les immigrés qui passent à la frontière sont des violeurs, euh, des membres de gangs, etc. Et en 2016, ça a été tout euh, son discours de campagne que euh, la frontière était dangereuse, que euh, euh, il fallait voter pour lui pour protéger, pour protéger les Américains parce que euh, sinon les, 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 le pays allait être envahi. Le pays est envahi par des euh, par des euh, violeurs, euh, par des euh, truands. Hein, L'utilisation en permanence du mot fugs, mais euh, aussi euh, par des terroristes. Rappelez-vous du contexte, du contexte international entre entre, deux, euh, entre 2016, c'est euh, Daesh, c'est euh, ISIS, et donc à ce moment-là, Trump explique que euh, s'il n'est pas là pour protéger la frontière les terroristes vont rentrer euh, aux États-Unis. Hein, C'est tout, on s'en est moqué, son discours du wall, du wall, le mur, qui était un, une manière simpliste de dire ça, mais très efficace auprès des Américains, et euh, un message qui est relayé à ce moment-là par Fox News, qui ne fait plus que ça, qui 24 heures sur 24 euh, tourne euh, à fond sur euh, les dangers, le risque, les, ter euh, les terroristes, à chaque fois qu'il y a un fait divers. Comme il y en a, c'est une réalité qui implique quelqu'un d'origine mexicaine ou quelqu'un qui a euh, 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 traversé la frontière de manière, de manière illégale. Ça devient une information nationale qui prend trois jours, trois jours d'attention où on ne, parle, on ne parle plus que de ça. Et c'est sur ce thème-là que Trump a été élu en 2016. Et en 2024, il veut faire pareil. Il veut faire pareil. Donc ces trois grilles sont 1. Inciter les gens à ne pas aller voter pour, euh, pour euh, Joe Biden. 2. S'assurer que sa base soit super présente, super excitée et du coup au rendez-vous. 3. Faire peur à l'Amérique en espérant récupérer. Récupérer les voix, les, voix les, les les voix comme ça. C'est d'autant plus une nécessité que le deuxième thème de ce qui devait être sa campagne de 2024, qui était d'attaquer Biden sur la situation économique, jour après jour, n'est plus un argument. Ce n'est plus un argument parce que euh, au contraire, la, la, la situation s'est énormément améliorée. Euh, C'est un, une source de succès euh, pour euh, Joe Biden. Et donc, euh, à partir de là, même si on n'abandonne pas euh, complètement, je vous, en un, je vous en parlerai un jour de comment euh, les républicains euh, tentent de transformer le succès de Biden en leur propre succès et en un échec. Hein, C'est complètement fou. On est dans ce, dans ce monde où ce qui est blanc est noir et ce qui est noir est blanc. Mais donc, une fois que euh, la situation économique c'est devenu évident que ça serait plus compliqué d'en faire un thème gagnant pour l'élection, on s'est rabattu sur cette question de la frontière. Et c'est pour ça que la frontière est aujourd'hui le sujet numéro un dans, euh, les, euh, dans la tête des euh, électeurs républicains qui ont voté euh, qui ont voté euh, aux primaires et c'est pour ça que c'est un sujet euh, un sujet dominant et c'est d'autant plus intéressant de le raconter qu'en fait et souvent on n'a pas ce recul là et en tout cas euh, ce recul n'est pas fait comme il devrait être fait euh, dans les, euh, dans les analyses sur les plateaux c'est que ce que je viens de vous raconter Trump l'a toujours fait 2018 2018 je vais vous montrer une vidéo Fox News 2018 écoutez la vidéo de Fox News on en parle tout de suite après I was just stunned to see President Obama just mocking the fact that we are looking at this caravan with a sense of concern as if we feel as though the nation's going to be overrun By what he terms uh, underprivileged or poor people, that's not the point, and he knows it. Yeah, he does know. And that's what's deeply disturbing about this, Brian. There, there's really nothing irrational about uh, Americans, taxpaying Americans, being concerned about thousands of people crossing the border not vetted. I, I mean, this is, that we're having this conversation is almost strange that we're being painted as irrational yep. ones. You know, I was listening to you earlier in the show, and, and you brought up just a simple statistical point that's irrefutable. A, a, a significant percentage, maybe not a majority of, but a significant percentage of people entering on any given day are going to be stopped at the border for some kind of narco trafficking, uh, criminal activity, or otherwise. It's not a majority, it's not an overwhelming amount, but it's enough for us to be concerned. Therefore, by simple numbers, if thousands of people enter unvetted at any time, you're going to have people enter the country that shouldn't be here. That's not a fear tactic, that's just the truth, and I'm glad you brought that up. What about diseases? I mean, there's a reason why you can't bring a kid to school unless he's inoculated. You know, there's a there's things that happen in this country. We already give uh, 40 to 50 percent of our taxable income to the government for social programs. Is it too much to say that we just can't have countries, entire populations, come in here without being looked at as hard-hearted? To me, it's a practical way of having a nation that everyone looks up to and wants to be a part of. Donc, nous sommes en 2018. Vous pouvez repasser aujourd'hui, vous pouvez prendre cette vidéo et la passer, euh, et la passer euh, dans Fox News, euh, sur Fox News, en expliquant que euh, c'est indirect aujourd'hui. Elle marche pareil. Ce sont exactement les mêmes thèmes. Donc, en 2018, ce qui se passe, élection, euh, élection euh, intermédiaire, euh, donc les, les élections de mi-mandat euh, euh, aux États-Unis, et euh, l'élection s'annonce mal pour Donald Trump. Il y a tous des thèmes de campagne, ça ne marche pas. Et donc, euh, à la onzième heure, euh, comme on dit euh, ici, à la dernière minute, il y a un changement radical de, euh, des, euh, des, des alliés politiques de Trump et donc de, de Fox News, de mettre euh, le focus en avant sur la frontière. Ça avait marché en 2016, hein, ça va sûrement marcher en 2018, et donc c'est de mettre en avant... Euh, ces euh, menaces de ces fameuses caravanes euh, dans le caravane, ce sont des milliers, euh, des centaines, des centaines parfois et euh, quelquefois euh, des milliers euh, d'immigrants qui, euh, qui quittent leur pays euh, et qui marchent euh, ensemble pour éviter euh, d'être euh, attaqués euh, sur, euh, sur la route. Et donc ça devient, euh, la source numéro un d'angoisse. On nous explique que dans, ce, dans ces groupes, il y a des terroristes de l'ISIS, de, de, donc de, de Daesh, euh, qui, se sont, euh, qui se sont introduits parmi ces gens-là. On nous parle déjà, et vous allez voir que dans le monde d'après... Post-Covid, ça va devenir un thème encore plus important euh, que les personnes qui arrivent euh, ont des microbes, donc qu'ils vont apporter leurs microbes euh, euh, aux, aux États-Unis. Et euh, ça devient le seul sujet de Donald Trump. On a quelques tweets euh, qu'il publie à l'époque, hein, pas sur, pas, pas sur, euh, sur euh, True Social, mais vraiment sur Twitter tant qu'il avait, euh, qu avait un compte. Donc nous sommes en... En euh, 22 octobre 2018, deux semaines euh, avant, euh, un petit peu moins de deux semaines avant l'élection, et Trump est en boucle sur ça, que il y a ce danger, ces milliers d'immigrés qui vont forcer euh, le passage euh, à la frontière. Il lance une opération euh, de communication, une opération euh, militaire en expliquant qu'il faut envoyer l'armée euh, à la frontière, le nom Gardez-le en tête parce que tout à l'heure, on va en reparler par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière au Texas. Le nom de cette opération, c'est Opération Faithful Patriot. Donc, Faithful, c'est euh, qui a la foi et euh, le patriote. Donc, c'est l'opération patriote croyant. Donc, c'est le clin d'œil à, euh, à, la, à, la, à la droite chrétienne nationaliste qui est là. Et donc, l'idée, c'est de dire euh, si on ne fait rien, on va, être, euh, on va être envahi. Donc, euh, il faut changer les lois, il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, des, regardez, euh, comme l'écrit Trump, il y a des, des criminels au milieu de, de ces gens-là et euh, des, euh, des gens qui viennent du Moyen-Orient. La, euh, la menace du Moyen-Orient, qui sont un nom, on ne les connaît pas, mais euh, évidemment, euh, ce sont une menace. Et parmi, quand je vous disais que euh, Twitter... Pas, pas au point où c'est devenu aujourd'hui a toujours été une, une chambre d'écho, on a des alliés de Trump qui va euh, lancer euh, sur Twitter, Matt Gates, euh, qui va lancer des euh, défauts. Des C'est-à-dire qu'on va euh, vous euh, présenter, donc on est toujours en 2018, on n'est pas en 2024, on est en 2018, et euh, ces euh, images, vidéos. Euh, qui euh, ne sont pas euh, ce qu'ils disent. Ça ne se passe pas au Honduras. Euh, c'est dans un autre pays. Et c'est justement pour les caméras que, à ce moment-là, euh, il y a euh, des gens dont on n'a jamais retrouvé qui ils étaient, euh, sont venus euh, donner de euh, l'argent. On parle ici de moins de 1 dollar euh, à, euh, à, à ces gens extrêmement pauvres. Et là, on en fait en disant non, mais qu qu'est-ce regardez ce qui se passe euh, Tout cela, ils vont storm. The U.S. border, donc euh, ils vont passer en force à la euh, frontière euh, américaine et c'est vraisemblablement George Soros qui est évidemment la bête noire, qui est ce milliardaire euh, qui euh, finance euh, une partie de la gauche associative américaine. Euh, donc c'est euh, c'est euh, George Soros qui euh, finance tout ça. Tout est faux. D'accord, mais c'est un tweet qui a été vu à plusieurs millions de personnes, euh, euh, par plusieurs millions de personnes avant que ça s'arrête. Donc c'est en 2018. Les élections ont lieu, Trump euh, les perd, il arrive à maintenir le Sénat, mais il perd au niveau de la Chambre. Et du jour au lendemain, du jour au lendemain, le sujet est épuisé. Le sujet d'autant plus épuisé parce que euh, en 2018, c'est facile d'avoir ce sujet aujourd'hui de la frontière quand on est dans l'opposition. Mais c'est très difficile de dire, voilà, vous êtes menacé à la frontière quand dans la réalité, ça fait deux ans que vous êtes en charge de la frontière. Et donc, l'élection passe et on laisse tomber ce, ce sujet-là. 2020, la campagne arrive et euh, Trump, euh, d'un coup, euh, refait de la campagne. De, de, de l'immigration, de la, euh, de la euh, frontière, un des thèmes importants de sa campagne, en expliquant nous sommes encore une fois dans le monde post-Covid, qu'il euh, y a le risque de ces, de ces micro là qu'il faut le réélire pour que le mur soit enfin terminé. Mais encore une fois, si le thème est important, si le thème de la peur est important, Trump est handicapé par le fait que c'est lui qui est au pouvoir. Donc, on recommence à parler d'une caravane, Fox le fait, d'une caravane, donc d'un groupe d'immigrants qui arrivent à la frontière, que euh, Trump est le seul à pouvoir, ce qui est dit, imposer au Mexique euh, qu'il euh, garde ses, ses, ses immigrés, etc., etc. Mais c'est limité. 2022, Trump est retourné dans l'opposition. 2022, le Parti républicain espère un tsunami rouge et parmi les points qui sont utilisés, il y a la situation économique avec l'inflation, mais d'un coup, tous les médias pro-Trump, tous les médias pro-américains euh, pro remettent leur focus sur la frontière. Hein, c'est d'autant plus important de le faire que cette fois-ci, ce n'est plus eux qui sont en charge, c'est euh, l'administration euh, Biden. Ils font face à des difficultés à la frontière comme Trump a hein, fait face à des difficultés à la frontière et euh, Obama avant et Clinton. Hein, il faut savoir que en 19... pour vous donner euh, l'ampleur de ce qui se passe, en 1992, euh, il y avait que 5000 euh, employés de la Border Patrol, donc 5000 euh, employés pour surveiller la frontière. En 2024, euh, il y en a plus de 20 000. Donc c'est vraiment un problème récurrent administration après euh, administration. Et donc là, en 2022, euh, ça devient euh, encore plus facile d'attaquer. Et en 2024, c'est devenu le thème principal de Trump, à nouveau, comme euh, en 2016, en utilisant les mêmes arguments et en les exagérant. Donc on ne parle plus. De, euh, de, 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 de Daesh, de isis, mais on parle de terroristes, d'ailleurs on va regarder. c'était samedi. trump était à las vegas et euh, il fait un, un, son discours, principalement sur la situation à la frontière. et dans son discours, il va balancer ça. 100% chance major voilà, donc euh, c'est Trump samedi à Las Vegas qui nous explique que, euh, à cause de ce qui est en train de se passer à la frontière, hein, on est dans la construction de la peur. Euh, il y a 100%, je cite, 100% de chances euh, qu'il y ait un atta une attaque terroriste euh, aux États-Unis, voire plus que plus qu'une seule. Donc on est dans cette construction que si on ne fait rien euh, à la frontière, sous-entendu, si on laisse Biden continuer la frontière, euh, résultat, il va y avoir une attaque terroriste aux États-Unis. Le coup des terroristes, qui était déjà en 2016, qui était déjà euh, en 2018, en 2020, en 2022, euh, n'est pas le seul. Le thème de la maladie... Maintenant qu'on est passé euh, après euh, euh, après Covid, est devenu encore plus fort. Non seulement la maladie mentale, hein, Trump explique que finalement euh, tous les euh, une partie des gens qui traversent la frontière en fait euh, ont été euh, ont été euh, euh, ont été expulsés euh, d'asiles psychiatriques dans euh, différents pays euh, qui n'ont plus les moyens euh, de s'en occuper. Donc euh, ils balancent leurs malades mentaux euh, aux États-Unis. donc ça c'est un niveau, mais surtout parce que ça touche la euh, théorie de la conspiration, du euh, grand remplacement, euh, ça touche euh, les thèmes euh, nazis euh, euh, que euh, le vocabulaire nazi qu'utilise Trump dans, où il parle de vermine euh, lorsqu'il parle d'empoisonnement euh, du sang de la nation. Ce qu'il sous-entend et souvent il ne le sous-entend pas par rapport à ça, c'est que euh, cette menace qui arrive à la frontière avec tous euh, ces euh, maladies mentales donc euh, et les, euh, tous ces virus va venir contaminer les américains et donc il y a une partie de la population américaine qui regarde euh, uniquement Fox News pour s'informer euh, et qui va lire sur Facebook les euh, les messages que euh, la tante machine euh, leur envoie euh, etc etc qui vivent dans ce sentiment qui ont le sentiment que euh, ce que euh, que le, le risque c'est que voilà on va se retrouver avec des terroristes avec des membres de gangs euh, avec des délinquants euh, avec des violeurs euh, avec des fous avec des gens malades qui vont arriver chez nous et Trump et Biden ne fait rien. Et c'est pour ça que d'ailleurs euh, Fox, hein, dans les éléments de langage, parle depuis qu'il y a la présidence Biden. Et c'est des éléments de langage qui ont été repris par tous les candidats républicains, y compris euh, Nikki Haley, parce que souvent on nous parle de Nikki Haley comme étant euh, à, comme elle aurait une grosse différence avec Trump. Elle en a, mais il ne faut pas pousser euh, que euh, sous euh, euh, sous euh, Biden, euh, la frontière est devenue euh, open border, une frontière ouverte, ce qui est faux. Ce qui est faux. Euh, les chiffres sont là. Euh, évidemment, euh, il y a des passages illégaux. C'est pas ce que je veux vous dire par ça euh, au front, euh, aux, aux frontières. Évidemment, il y a euh, euh, une, euh, des, une nécessité d'avoir plus de moyens pour faire face aux enjeux euh, et que ce soit aux enjeux euh, de frontières mais aussi aux enjeux euh, humanitaires euh, que euh, tout cela euh, représente Mais euh, lorsqu'on regarde les chiffres euh, par exemple du nombre de personnes qui ont été arrêtées pour pour avoir traversé la frontière de manière illégale, il y a plus de personnes qui ont été arrêtées sous Biden que sous Trump. Biden, par exemple, son administration a fait quelque chose que l'administration Trump ne faisait pas, c'est que euh, c'est de renvoyer systématiquement les personnes qui sont attrapées de manière illégale, de les renvoyer au Mexique, même s'ils ne sont pas mexicains. Donc, ce concept de the open border est encore une fois un élément de langage euh, qui a été euh, inventé par la droite républicaine pour créer la peur chez les lecteurs américains. Et en se disant que, ok, si on arrive à instiller cette peur chez le plus grand nombre, finalement, tout le reste, tous les défauts du candidat, les fraudes, le viol, le procès, le fait qu'il a dit qu'il allait être dictateur pour une journée, sa position par rapport à l'avortement, tout ça ne comptera pas. Que une partie des électeurs à la dernière minute iront voter pour leur sécurité. C'est le plan de Trump. C'est le plan de Trump pour 2024. Pour, 2024 pour, novembre, euh, pour novembre 2024, nous sommes déjà à la fin du mois de janvier. Et ce qui vient de se passer la semaine dernière au Texas rentre dans cette logique-là. Je vous en parle tout de suite après. Donc la frontière où il y a de réels problèmes, des problèmes qui existent d'administration politique après administration politique, cette espèce de message de Trump euh, qui est basé sur le fait que euh, les électeurs ne font euh, ont, un la mémoire courte et deux ne vont pas aller vérifier que tout se passait bien lorsqu'il était président euh, est faux. Donc, la réalité, c'est que la frontière est une zone à problème depuis des dizaines d'années. D'accord Mais aujourd'hui, la frontière est surtout une immense scène d'un spectacle politique où euh, il faut euh, utiliser et mettre en scène tous les incidents possibles et imaginables. Et quand. Et quand les incidents n'existent pas, il faut, les les, il faut les créer pour euh, permettre d'attirer l'attention de l'électeur américain sur ce risque-là. Et donc, le Texas joue, euh, joue un rôle clé avec euh, son euh, gouverneur euh, Abbott, euh, qui, euh, depuis euh, deux, trois ans, pareil, lui met la pression. Sur la frontière, comme étant une menace, euh, ce qui est en train de se passer étant une menace pour les habitants du Texas. Pourquoi Abbott est dans la même, pourquoi Abbott fait- il ça Parce qu'en fait, il est dans la même logique euh, que Trump. Euh, ça peut peut-être vous paraître fou ce que je vais vous dire, mais euh, le Parti républicain euh, au Texas. N'est plus dans la même position d'hégémonie qu'elle a été pendant des décennies. Au contraire, les chiffres sont extrêmement intéressants. Il y a eu des changements démographiques extrêmement intéressants. Il commence à avoir un basculement des grandes villes qui prennent le dessus sur le vote républicain qui vient principalement des zones rurales. Et euh, les campagnes sont de plus en plus difficiles pour les élus du Texas. Que ça soit un élu comme euh, Ted Cruz hein, au Sénat qui va être euh, candidat en 2024, donc Ted Cruz qui évidemment euh, euh, s'empare sur son compte Twitter de la, euh, de, la de, de de ce qui se passe à la frontière comme argument de campagne. Mais euh, je ne dis pas que le Texas Va devenir un État bleu en 2024. On n'en est pas là. Mais n'oubliez pas que euh, en novembre, euh, lorsque les Américains vont voter, ils ne vont pas voter que pour les can le, le candidat à la présidentielle. Il y a toutes les, les élections, ce qu'on appelle le Don Ballot, Don Ballot qui sont euh, toutes ces euh, élections pour qui vont des fois de l'élection d'un magistrat au niveau local jusqu'au sénateur. Et quand on regarde ces chiffres-là, depuis des années, les, euh, les républicains du Texas sont en grosse difficulté. Et donc, d'utiliser la frontière comme euh, mise en scène de ces, euh, de, 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 des ambitions de protéger le Texas de la part de Abbott, est extrêmement importante. Et il y a eu, du coup, dans cette surenchère de l'homme dur, hein, c'est un thème de l'homme autoritaire, euh, c'est religieux à la fois, euh, c'est euh, un thème extrêmement fort chez les Républicains, c'est le thème de Trump euh, qui euh, souhaite être cette, 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 ce, ce dictateur pour protéger euh, les intérêts euh, des Américains. On retrouve pareil euh, chez Abbott avec... Euh, donc, une, euh, avec des scandales qui sont passés complètement euh, inaperçus euh, cet été. Donc, euh, il a, euh, il utilise. Donc, Abbott a été le premier à se dire, bah, tiens, je vais utiliser euh, ce qui est à ma disposition euh, pour euh, montrer que je suis là pour protéger les habitants du Texas. Et donc, il a demandé à la garde nationale du Texas de venir euh, protéger la frontière donc être, être présence présente comme si on était dans une situation de guerre de renforcer euh, les frontières avec l'installation de, euh, de, 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 de milliers de mètres de euh, de fil de fer barbelé euh, coupant euh, aiguisés comme, comme des lames de rasoir. Et cet, cet été, je vous en avais parlé sur mon, compte, sur mon compte X, il y a eu les révélations, par exemple, que, euh, il a euh, ordonné que euh, les, euh, la garde nationale du Texas, qui est sous son autorité, euh, n'intervienne plus lorsque quelqu'un est en train de se noyer. Et il y a plusieurs témoignages de ces militaires sous ordre du gouverneur du Texas qui ont assisté à euh, des, euh, des, 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 des ce genre de scène des migrants entre autres je me rappelle cette histoire excusez-moi je me rappelle de cette histoire d'une femme euh, enceinte avec avec des enfants euh, qui euh, s'était prise dans les fils barbelés qu'il a installé euh, parce qu'il avait installé des choses dans le Rio Grande qui est la frontière naturelle entre les deux États euh, donc des, des des espèces de pièges où le courant ramène les immigrants vers ces fils barbelés, de gens coincés dans ces fils barbelés qui euh, étaient peu à peu en train de se noyer sous les yeux des militaires de, de la Garde nationale du Texas et qui ne sont pas intervenus comme on leur avait donné l'ordre. Donc ça, ça s'est passé cet été. Il y a eu un formidable travail d'enquête de, de, euh, indépendant, je crois, du Texas Tribune. Encore une fois soutenez les médias et je ne vous le dis pas forcément pour la chute mais soutenez les médias indépendants d'enquête, ils font un travail formidable que plus personne d'autre ne fait. Donc là ça avait été le cas avec le Texas Tribune et en tout cas, il y avait eu ces révélations. Et donc il y a eu depuis une surenchère à ce niveau-là parce que ce qui se passe à la frontière est bon pour Abbott et est bon pour Trump. Abbott et son lieu de gouverneur Paxton, sont des alliés euh, extrêmement fidèles euh, à Trump, c'est vraiment le euh, le le on est en plein dans le mouvement dans le mouvement maga euh, à fond, euh, ce sont eux qui ont été extrêmement présents, n'oublions pas que le Texas est euh, cet état qui a préparé euh, cette demande à la Cour suprême de euh, d'annuler de, 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 les résultats de l'élection de 2020 et qui ont été rejetés par la Cour suprême. Et donc, on s ils se sont rendus compte que c'est intéressant. Et donc, il, il a fallu continuer dans cette euh, mise en scène-là. Et dans cette mise en scène-là, il y a un lieu qui est devenu symbolique. C'est Eagle Pass et c'est euh, le parc de euh, Shelby euh, qui est... Euh, euh, pourquoi c'est un endroit qui est symbolique Parce que c'est... C'est un lieu où c'est un port d'entrée vers les euh, États-Unis, donc c'est un lieu d'entrée vers les États-Unis, donc où il y a énormément euh, d'immigrants euh, qui arrivent et euh, à partir de là, certains parce que euh, les, euh, les, les les deux berges sont rapprochées, l'idée est de traverser. Et donc euh, Abbott a demandé à la garde nationale du Texas de prendre le contrôle euh, de euh, Shelby Park et euh, d'installer des euh, des fils de fer pour euh, que l'on pour que non seulement les euh, les les immigrants ne puissent plus rentrer euh, au Texas mais surtout c'est le deuxième point et c'est le au cœur de ce qui s'est passé euh, la semaine dernière pour que la Border Patrol et pour que les euh, soldats de l'armée américaine donc fédérale euh, qui sont là ne puisse plus aller sauver les gens qui sont en train de se noyer. Et donc, évidemment, évidemment, euh, il y a eu une demande en urgence de l'administration Biden auprès de la Cour suprême. Et la semaine dernière, la Cour suprême a rappelé à 5 contre 4, alors que ça aurait dû être l'unanimité, mais c'est pour vous montrer comment cette Cour suprême euh, est euh, aujourd'hui euh, rongée par ses ambitions politiques, par les, les fidélités politiques de certains, a dû rappeler une évidence. L'évidence, et c'est là où c'est intéressant parce qu'on peut faire un parallèle avec le 6 janvier, où la Constitution était extrêmement claire, ce sont les... Trump et ses alliés qui essayent de rendre les choses extrêmement compliquées pour laisser croire qu'il y a une possibilité. En 6 janvier, le 6 janvier, la Constitution était extrêmement claire sur le rôle symbolique de la, de la cérémonie présidée par Mike Pence. Là, la Constitution est extrêmement claire sur qui est en charge des frontières des États-Unis. Et on essaye de compliquer les choses. Et donc, là, la, la Cour suprême a rappelé que les, euh, les, euh, les frontières des États-Unis étaient sous l'autorité fédérale. En clair, que euh, le euh, gouverneur du Texas et d'autres États ne pouvaient pas euh, empêcher le gouvernement fédéral à passer à travers les barbelés et aller aider quelqu'un qui était en train de se noyer que euh, le gouvernement fédéral devait appliquer la loi la loi est extrêmement simple la loi est extrêmement simple la loi est que lorsque un immigrant clandestin traverse la frontière pour des raisons humanitaires il a le droit de, euh, de euh, plaider le fait qu'il demande l'asile politique parce qu'il est en danger de, euh, de, vie, euh, de vie et de mort dans son pays. C'est un droit américain qui existe depuis, euh, depuis des décennies, que même lorsque Trump était président, euh, il ne l'a pas changé. D'accord Et donc, l'idée est de dire OK, si la frontière est la responsabilité fédérale, il faut que chaque immigrant ait ce droit là. donc euh, il, il, il annonce que euh, il est euh, demandeur d'asile. la question de cette demande d'asile est traitée en urgence. pendant ce temps, ils sont dans des centres de détention. et neuf fois sur dix, une fois que la, que la, que la demande d'asile de, de, politique est rejetée parce qu'elle est quasiment systématiquement rejetée, ils sont expulsés avant vers leur pays d'origine. Maintenant, c'est plus pratique parce que le nombre est élevé, directement vers le Mexique, qui après, et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations humanitaires qui travaillent sur le terrain, qui après doit se, se débrouiller pour faire partir euh, ces euh, immigrants-là euh, de, de son pays. Et donc, le Texas est hors la loi. Ce n'est pas... Contrairement à ce que euh, souhaiterait le gouverneur Abbott et les 25 euh, gouverneurs pro-MAGA qui ont apporté leur soutien, ce n'est pas au Texas de euh, décider de la politique de ses frontières et de gérer les frontières. C'est illégal de la part du Texas euh, d'empêcher les, euh, les, les 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 troupes fédérales, les Border Patrol de venir sauver la vie à quelqu'un euh, qui est euh, en train de se noyer en coupant le fil de fer barbelé. Donc tout ça, ça s'est passé la semaine dernière, avec évidemment sur Fox News et sur Twitter une espèce d'escalade, euh, pas dans les faits, parce que euh, le, le Texas est extrêmement limité dans ce qu'il peut faire, d'accord La Constitution s'applique à tout le monde, euh, il faut la respecter, c'est comme si euh, la semaine prochaine... Dans 15 jours, euh, Trump, la Constitution, la, la, la Cour suprême euh, déciderait que, euh, que Trump euh, a le droit d'être candidat et que le 14e, la section 3 du 14e amendement ne s'applique pas à lui, et que les, euh, les États, du coup, euh, qui sont démocrates, disent Ah non, non, mais nous, on ne veut pas appliquer la loi parce que euh, ce n'est pas nos intérêts politiques. Notre intérêt politique, c'est que Trump ne soit pas, euh, ne soit pas, ne soit pas candidat. Et donc on a cette position-là où les, euh, le, le, le Texas, euh, le Texas est hors la loi et va être obligé de suivre, que ça leur plaise ou pas, qu'il y ait cette déclaration ou pas euh, dans euh, les médias euh, pro-Trump, la décision de la, euh, de, de, de la Cour suprême. Ils vont être obligés. Et donc ce qui s'est passé ce week-end, c'est que les euh, influenceurs pro-maga et compagnie se sont emparés de cette situation pour nous faire croire euh, qu'il euh, y allait avoir un face-à-face -face militaire, un face-à-face -face militaire entre les euh, troupes fédérales, donc en gros l'armée des États-Unis et euh, la garde nationale du Texas je vais vous raconter à deux moments dans l'histoire des états unis où avec d'autres moyens les, 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 les gouverneurs et les chambres d'écho euh, républicains de l'extrême droite des états unis ont fait courir la même rumeur à tout de suite. Alors, il y a deux dates dans l'histoire des États-Unis où euh, on s'est retrouvé, pas autour de la frontière, mais euh, autour euh, des droits civiques, euh, autour euh, des droits des euh, Afro-Américains, on s'est retrouvé exactement dans la même situation. Il y a 1957, à Little Rock, dans l'Arkansas, euh, avec l'Arkansas, comme on dit en français, euh, avec les, euh, les, ces neuf élèves euh, noirs qui euh, voulaient euh, aller poursuivre leurs études dans, euh, euh, dans, dans, au, au niveau du lycée, à Little Rock, donc la, le, la Central High. Thomas vous montre le, les, les, infos, les photos, je vous en parle un petit peu. Et en 1963, pareil, sous cette fois-ci John F. Kennedy, euh, dans l'Alabama. Donc, euh, Little Rock, euh, on est en 1957, avant cela, les écoles mixtes, et lorsque je dis mixtes, je parle entre, entre blanc et noir, n'existent pas. Donc, en 1957, ça devient le cas, et il y a donc cette inscription de neuf étudiants, et la, leur, accès, leur accès à, à l'école est euh, interdit par le gouverneur de l'Arkansas en 1957, qui soutient euh, évidemment euh, cette droite euh, via la John Birch Society, etc., cette, le Ku Klux Klan, cette droite extrême et raciste euh, aux, euh, aux États-Unis. Donc, il ne souhaite pas cette inscription-là. Il utilise la garde nationale de l'Arkansas pour empêcher euh, l'accès à l'établissement. Et là, euh, pareil, décision... Euh, loi fédérale, le l'État le, doit se plier à la décision donc fédérale. C'est euh, Ike Eisenhower qui est Dwight Eisenhower qui est le président, c'est un, un président républicain. Et donc ce qu'il fait, il utilise son pouvoir présidentiel de euh, euh, de transformer la garde nationale sous autorité fédérale. C'est-à-dire qu'il enlève l'autorité, le commandement de la garde nationale au gouverneur et euh, l'apprend, et donc, résultat, c'est l'armée qui, les premiers jours, va euh, escorter ces neuf étudiants euh, afro-américains extrêmement courageux en cours. 1963, nous sommes dans l'Alabama. Même histoire pour l'université de l'Alabama. Euh, et euh, encore une fois, le gouverneur de l'Alabama, on est dans les États euh, du Sud, décide d'utiliser... La garde nationale, vous voyez, ce sont les, 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 ces gens avec, avec les, les casques. La garde nationale pour protéger l'accès à l'université de l'Alabama, pour empêcher les étudiants noirs de rentrer faire des cours. Et donc, encore une fois, après une semaine de crise où on reparle de euh, sécession et de combats armés. Entre les gardes de l'Alabama, la garde nationale de l'Alabama et l'armée fédérale, John F. Kennedy place l'autorité de la garde nationale de l'Alabama sous autorité fédérale et les étudiants peuvent aller en cours à l'université de l'Alabama en 1963, Birmingham. Donc, nous sommes exactement dans la même situation au Texas. Ce qui veut dire que le Texas a deux options. Soit il se plie à la loi et n'intervienne pas, et il n'y a pas encore eu d'intervention, contrairement à toutes les rumeurs qui se sont pro euh, propagées à droite, à gauche, et donc il laisse la Border Patrol et l'armée fédérale couper les fils de fer pour intervenir pour sauver quelqu'un, ou s'il refuse de le faire en disant que... Euh, euh, le, le, le gouverneur a demandé l'ordre de résister à cet arrêt de la Cour suprême, ce qui serait une, de, euh, une position complètement inc inconstitutionnelle, d'accord ben Résultat, Joe Biden, même si c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mais ça peut le devenir euh, la semaine prochaine, euh, Joe Biden peut dire, ben voilà, je place sous autorité fédérale la garde nationale du Texas. Fin de l'épisode. Donc ça, c'est pour ce qui se passe au Texas. Et donc, ce week-end, cette espèce de pseudo face-à-face -face entre les deux armées, le fait que c'est devenu le thème principal sur Fox News, le thème principal de Trump, le thème principal des alliés de Trump et le thème principal euh, de, des influenceurs MAGA euh, sur, le, le, sur, le, sur X. La rumeur a commencé à se propager de partout, d'où la question mais qu'est-ce qui se passe au Texas Que euh, On était dans une situation extrêmement tendue euh, de face-à-face euh, -face quasi militaire euh, au Texas, et du coup, on a euh, multiplié les fake news sur, euh, sur X qui ont été vus à des millions d'exemplaires. Je vais vous montrer deux, deux exemples euh, par exemple. Euh, deux exemples, par exemple, deux exemples euh, immédiatement. Euh, le premier, c'est euh, une vidéo qui a été publiée sur TikTok parce que euh, aujourd'hui on parle beaucoup de X, mais euh, TikTok est devenu un outil principal de euh, manipulation. Euh, c'est extrêmement facile de euh, poster des photos et des vidéos euh, sans aucun contrôle, sans aucune modération. Euh, ça permet de toucher un électorat jeune qui n'a pas forcément euh, ce travail de euh, n'a pas forcément les informations nécessaires et ne va pas forcément faire ce travail et donc par exemple il y a eu, avant qu'on voit le, tout ça Thomas il y a eu sur TikTok, repris sur Twitter une vidéo de ces euh, camions les fameux 700 000 euh, truckers dans les 700 000 camionne camionneurs en route vers le euh, Texas pour aller défendre la frontière on va voir euh, 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 on va voir la, la vidéo, donc voilà, euh, voilà la vidéo euh, qui euh, explique que euh, il y a désormais que le convoi a euh, 2000, euh, 2500 véhicules, euh, qu'ils ont déjà 1,5 million de dollars euh, d'argent collecté pour tenir, euh, tenir le siège, c'est à la mot euh, le retour, et qu'ils sont euh, en train de passer à travers l'Oklahoma. On va garder ça en tête deux secondes. Donc voilà, euh, Texas Bound Baby vers le Texas, et que donc il y a une foule euh, sur le bord de la route euh, qui est là pour euh, saluer, saluer ces courageux euh, membres de ce euh, convoi euh, qui va euh, aller euh, défendre la frontière euh, américaine. C'est quoi cette histoire? Cette vidéo a été vue à plus de 5 millions euh, de en 24 heures par 5 millions de personnes échanger sur des comptes. On me l'a envoyé en me disant, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Qu'est-ce qui se passe au Texas Qu'est-ce qui se passe au Texas Il y a, des, euh, il y a 2000, euh, 2500 euh, camions de citoyens américains armés forcément euh, qui euh, est en train de, euh, de, euh, de marcher vers, euh, vers le Texas. C'est parti, cette histoire-là, avant de revenir cette vidéo, elle est partie d'un euh, mouvement. Créé par une congrégation d'église de la droite nationaliste euh, américaine qui, euh, le 6 janvier, était déjà présente euh, à, euh, à, euh, à Washington, euh, qui est euh, anti-vax, qui est euh, ouvertement raciste et qui est pro-Trump et qui a décidé d'organiser un convoi vers euh, la frontière. Pour euh, aller euh, mettre encore une couche sur cette nécessité que euh, il, euh, de cette nécessité de se concentrer sur ça que le véritable problème que le véritable enjeu de 2024 c'est ça ayez peur ayez très très peur et donc votez Donald Trump donc vous voyez euh, ce qu'on voit euh, c'est euh, c'est le le, le, le convoi pour aller euh, reprendre le contrôle euh, de la frontière. Vous voyez aussi euh, que de manière très présente, euh, il y a le logo euh, Jésus est mon sauveur, et que donc c'est We the People qui reprend donc le, le, les premiers mots de la Constitution américain, américaine. Nous, le peuple, We the People, nous allons euh, récupérer euh, notre, euh, notre frontière. Donc c'est un mouvement organisé par des églises euh, pro- Trump, le problème c'est qu'ils sont pas encore partis. Le problème, c'est que ils partent, euh, partent aujourd'hui. D'accord? Et, euh, et donc on retourne. On retourne euh, à la vidéo que je, que je, dont Thomas vient de vous montrer les extraits en disant mais Attendez, ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis et on nous parle de 2500 véhicules. Il y a eu sur Fox News les gouverneurs de différents États. Il y a entre autres le gouverneur de euh, l'Oklahoma, hein, parce que cette vidéo a soi-disant été filmée euh, en Oklahoma, qui est passé. On l'a pas fait commenter la vidéo, mais il a expliqué que oui, il y avait bien ce mouvement qui était en cours et qu'il s'attendait à la présence de 700 000, 700 000 camionneurs et patriotes américains qui vont défendre la frontière parce que Trump, euh, parce que Biden n'en est pas capable. Cette vidéo, en fait cette vidéo, elle date de 2020. Elle date de 2020 et euh, elle, euh, elle montre euh, ce que vous en souvenez, parce que je sais qu'au Canada, vous avez eu les mêmes histoires, euh, lorsque il y a eu cette tentative de venir encercler euh, Washington, euh, que il y a eu ce, ces certains camionneurs euh, qui sont montés sur Washington dans le cadre euh, des euh, politiques de euh, restriction des libertés. Lié à Covid. Donc, tout ça là, ce qu'on voit des 2500 véhicules en train d'aller, euh, d'arriver au Texas, à l'Oklahoma est au nord du Texas, donc ça veut dire qu'ils y étaient presque. En fait, c'est une vidéo euh, de ce qu'on voit vers Washington en 2020. Ça n'a aucun rapport, aucun rapport avec ce qui se passe. C'est un fake qui a été massivement. Échangé sur les réseaux sociaux. En fin de journée, hier, euh, enfin, il y, y a la vidéo a eu le droit à une community note euh, pour expliquer que c'était un faux. Mais euh, le, 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 le mal a été fait. Cette vidéo a été échangée. On me l'a envoyé en me disant Mais qu'est-ce qui se passe au Texas, William Regarde. Regarde. Et euh, sur, sur TikTok, elle a été euh, échangée. Échangée à des centaines de millions de fois pour démontrer que voilà les citoyens américains prennent les armes pour aller défendre la frontière parce que la situation est extrêmement tragique voilà on fait une pause et on essaye de partir dans la conclusion tout de suite après Il y a un autre exemple de, 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 de fausses informations qui ont circulé ce week-end, c'est euh, cette photo euh, qui, a été, euh, qui a été utilisée, qui a été euh, propagée euh, de partout euh, pour vous expliquer que c'était donc ces euh, immigrants, cette caravane, hein, rappelez-vous le terme de caravane dont Trump d'ailleurs souvent euh, adore, adore dire lors de ses meetings que c'est lui qui a créé ce, ce terme-là, euh, qui est, donc, est en train de marcher vers la frontière euh, du Texas. Entre pour pour en gros prendre prendre hein, on est on est dans une guerre napo napoléonienne là on a on a d'un côté les les, les les braves soldats de la garde nationale du Texas de l'autre on a l'armée fédérale on a les immigrants qui marchent vers vers eux donc forcément il euh, y a d'autres il y a Trump qui a demandé que d'autres États envoient leurs leurs leur troupes leurs troupes là bas et en fait encore une fois c'est un cliché qui date de 2018 et qui a été recyclé en 2020, qui a été recyclé en 2022 et qui est donc recyclé en 2024. Au-delà de la manipulation, de la blague, euh, le thème de la frontière, le thème de, de l'immigration est un thème extrêmement important dans cette année de campagne et cela serait une erreur magistrale. De la part de euh, Joe Biden, de un, l'ignorer en se disant non, moi je vais me consacrer, euh, une, me concentrer uniquement sur les questions de démocratie, les questions de, euh, de, euh, de relève économique et la question de, de l'avortement. Ça serait une erreur euh, catastrophique qui pourrait permettre d'ailleurs une, une, une élection de Trump, que les républicains, euh, que, que les, les républicains soient les seuls porteurs de ces, de ces questions et de, ces, de ce thème-là. Il faut que Biden le fasse. Et justement, et justement, ça a été fait. Et là, on rentre dans le pur calcul politique. Je vous ai expliqué comment ça a été manipulé cette semaine, mais c'est encore pire que ça. Depuis des mois, depuis des mois, la Maison-Blanche supervise, prend part à des euh, discussions au niveau des sénateurs démocrates et républicains pour la mise en place d'un plan, euh, plan de réponse à la frontière qui va de euh, euh, l'investissement dans de, 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 de nouveaux matériels de surveillance l'investissement humain pour avoir euh, plus de gardes, le renforcement de euh, zones pour empêcher euh, cette, euh, cette, euh, l'immigration euh, clandestine. Donc on n'est pas, on est pas dans, le mur, mais, euh, dans le mur de Trump, mais en tout cas, euh, on n'en est, euh, est pas loin. En général, des lois encore plus dures. Hein, cet accord qui est négocié entre démocrates et républicains, euh, un accord bipartisan dans le monde actuel, c'est euh, extrêmement rare. Dans le, donc cet accord est considéré comme le projet de loi le plus dur, le plus restreignant jamais imposé au niveau de la frontière. Donc en gros... Ce texte de loi enlève cette idée qui est un fonds de commerce de campagne de Trump que Biden ne fait rien à la frontière. Et donc depuis des semaines, il y a ces négociations entre élus républicains et élus démocrates et il y a une dizaine de jours, ils ont trouvé un accord qui satisfait les républicains. satisfait les démocrates. satisfait euh, joe biden qui lui donne par exemple le pouvoir de dire que, ok lorsque on arrive à un certain nombre de personnes qui euh, essayent de passer à la frontière par jour, euh, on ne traite plus aucune demande. donc, c'est un accord qui satisfait tout le monde. qui satisfait, satisfait tout le monde. sauf, Donald Trump. Parce que si cet accord est validé, un résultat, un, une partie importante des problèmes à la frontière seront réglés ou seront en voie d'être réglés, ce texte reprend des points que Trump souhaitait avoir à sa disposition lorsqu'il était lui-même président. Et donc, d'un coup, ça enlève Trump de sa seule chance d'arriver à la Maison Blanche en 2024, de son seul argument, de son seul programme et résultat, alors que l'on pensait la semaine dernière que euh, le texte allait passer. Les républicains viennent d'appuyer sur les freins au niveau du Sénat, en disant, via le leader du Sénat McConnell, euh, on ne sait pas, on a été contacté par Trump, donc en plus, tout ce que je, vous je suis en train de vous raconter se joue de manière ouverte, on a été contacté par Trump qui ne souhaite pas donner une victoire à Biden, donc, on va arrêter, et pire encore, pour que cette loi devienne ce texte de loi devienne une réalité, il faut trois étapes. Il faut que le Sénat le vote. Il y a une majorité démocrate, plus des républicains qui sont prêts à le voter. Il faut que Biden le signe. Il a annoncé, en A son communiqué de presse, il a annoncé qu'il signerait ce texte de loi qui lui donnerait les moyens politiques, humains et financiers d'agir à la frontière en étant à la fois plus dur qu'avant, mais à la fois en continuant de respecter les règles de droit euh, humanitaire et de respecter la constitution des États-Unis. Et puis, il faut que la Chambre, des représentants, la Chambre des représentants vote. Et la Chambre des représentants, c'est Mike Johnson. Mike Johnson, c'est le pantin de Donald Trump. Et qui donc a déclaré, sans même avoir lu le texte, sans même en avoir eu le contenu, sans même en connaître le détail, qu'il ne voterait pas et qu'il demanderait aux républicains de ne pas voter ce texte-là. En gros, on a cette situation complètement folle où, depuis des mois, le parti républicain a fait d'un d'un élément important de leur campagne et de dire, il faut qu'on fasse des choses, il faut qu'on fixe le border, il faut qu'on qu répare la situation à la, à, la, à, la, à la frontière, il faut faire des choses, il faut passer des lois. La loi est prête, mais la loi vient handicaper la campagne de Donald Trump. Trump sait que si cette loi passe, ses chances d'arriver à la Maison-Blanche sont quasiment nulles. Et donc, il ne souhaite pas il a interdit à ses troupes de faire voter euh, cette loi-là. Et en plus, ce qui est complètement gênant, c'est qu'il y a une autre source problématique, c'est que dans ce texte de loi, il y a aussi l'aide à l'Ukraine. Donc ce qui veut dire que pour arriver à la Maison-Blanche en 2024, non seulement Trump souhaite ne rien faire, à la frontière pour continuer à dire, regardez, il y a des problèmes, c'est terrible, ces gens-là vont venir vous contaminer, vous violer et vous tuer. Mais en plus de ça, il est prêt à donner l'Ukraine à Poutine, surprise, pour satisfaire ses ambitions présidentielles et être élu pour éviter d'aller en prison. Nous sommes dans un monde complètement fou dans un monde complètement fou, où tout le système, pour répondre à la réponse de euh, euh, Anima euh, artiom que euh, Trump, depuis 2016, a été là pour identifier les failles du système électoral, du système politique américain, qui a plus ou moins fonctionné pendant des années parce que tout le monde euh, agissait, démocrate comme républicain, dans l'intérêt commun. Du pays, malgré les différences. Et Trump a, 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 a mis le veto. Trump a mis le veto sur ça. On va regarder ce que je viens de vous raconter. On va regarder une vidéo de Gavin Newsom, euh, qui, est, euh, un des, qui est le gouverneur de Californie, hein, qui, pour le coup, euh, a lui aussi une frontière. On parle du Texas, mais la frontière entre la Californie euh, au niveau de San Diego, juste après San Diego et euh, le plus gros emport euh, d'entrée euh, euh, au niveau du Mexique euh, vers les états unis euh, Nous sommes, euh, et un des lieutenants euh, de Biden, nous sommes, et quelqu'un qui a, euh, qui, euh, a tout, euh, sauf de la langue de bois, euh, il n'hésite pas, il poste sur True Social, il n'hésite pas à aller à Fox euh, pour euh, balancer, euh, à dire ce qu'il a dit en 2028, il sera euh, un des favoris for the white house don't want to solve this problem they want to use it for political purposes and again i say this as a border state governor no one has to introduce me to this issue we're the largest port in the western hemisphere in the state of california we live this and i think it is a disgrace what the republican party is doing what donald trump is doing and this is hidden in plain sight he sent out a tweet or some truth, whatever, yeah. saying, "Kill it." Yeah. And these guys are so weak. How I did, it's so pathetically weak this Republican Party, and the new speaker said, "Oh yes, sir, what else would you like us to do? We don't care about America. We don't care about our freedoms and liberties. We care about politics exclusively, at the expense of the American people, because all we care about is winning for winning's sake. That is shameful. Donc c'est nous sommes qui vient de vous résumer ce que je viens de vous euh, euh, ce que je viens de vous dire en termes de en terme extrêmement clairs comment les élus républicains qui ont peur de Trump ont décidé d'aller contre les intérêts euh, du pays donc vous allez me dire oui mais c'est normal c'est un démocrate ouais c'est un démocrate donc ce que je vais vous montrer maintenant c'est ce week-end et c'est excellent ça s'est passé sur sur Fox News ce euh, le, sénateur qui, le sénateur qui va parler est un élu de l'Oklahoma. C'est un, un, un élu euh, républicain euh, pro-Maga qui, euh, qui soutient Trump et qui va voter pour lui et qui va faire campagne pour lui en 2024. Mais il a participé à ces discussions. Et ce qui est excellent, c'est que euh, euh, la question, vous allez voir de Fox News, c'est pour tenter de lui faire dire que si... Euh, ce projet de loi ne passe pas, en fait, c'est parce qu'il ne sert à rien et que, euh, euh, et c'est encore une fois une espèce de manœuvre des démocrates. Et en fait, dans la première minute de sa réponse, on va regarder la première minute parce que c'est une, une longue minute, vous allez voir qu'il dit non, pas du tout. En fait, on a fait ce choix politique. Euh, depuis des mois, on dit voilà, il ne faut pas de loi. La loi est là. On a trouvé un accord efficace, mais pour des raisons politiques. pour satisfaire l'ego de Trump et pour lui permettre d'arriver à la maison blanche, on s'assoit là-dessus. On regarde ça tout de suite. That are not being enforced. So why give him this in an election year? The cover of this deal that you know, a, a, critics say it's still going to let a lot of people in, but he gets to take a victory lap that he's gotten something done. Yeah, yeah well, it's definitely not going to let a bunch of people in. It's focused on actually turning people around on it. It is interesting Republicans 4 months ago would not give funding for Ukraine for Israel and for our southern border because we demanded changes in policy so we actually locked arms together and said we're not going to give you money for this we want a change in law and now it's interesting a few months later when we're finally getting to the end they're like oh just kidding i actually don't want a change in law because it's a presidential election year we all have an oath to the constitution and we have a commitment to... ouais, c'est un c'est un c'est des propos extrêmement clairs donc c'est qui est euh, lui qui a mené ces fameuses Euh, ces fameuses négociations euh, au Sénat pour préparer cette lettre-là. La journaliste lui pose une question, la journaliste, l'animatrice de Fox News lui pose une question pour lui permettre de critiquer euh, Biden, expliquant que euh, de toute manière ça sert à rien, que c'est pourquoi donner une victoire à Biden, parce que euh, en fait sa loi va permettre euh, à ce que les gens continuent à rentrer dans le pays. Et la première chose qu'il fait, il la corrige, il dit non. Euh, au contraire, cette loi est faite pour empêcher. Les gens de rentrer illégalement dans le dans le dans le, dans le pays. Euh, pendant des mois, on a dit on a besoin d'une loi. Euh, la loi vient de, de passer, mais là, on dit non non mais attendez c'était une blague. La loi n'en a rien à faire. Nous, ce qui nous importe, c'est de permettre à Trump d'être élu euh, président. Et donc, on ne veut rien faire au niveau de la frontière. Donc, c'est un c'est un moment extrêmement important dans la politique américaine, et justement la remarque de Yasmine est, est très intéressante parce que, oubliez une seconde que l'on parle du Texas, que l'on parle de la frontière, et replacez-vous dans ce qui s'est passé euh, au niveau du euh, 6 janvier, où ce sont exactement les mêmes mécanismes. Les mêmes mécanismes ont créé ce faux problème de l'élection de l'élection volée on trouve des excuses pour ne plus appliquer la constitution et face à ça il y a une minorité d'élus euh, républicains qui dit non mais en fait on a prêté serment à la constitution donc on doit servir la constitution on doit servir le pays et pas simplement les intérêts propres de notre parti et de notre candidat. Et c'est en fait ce que leur demande Trump à chaque fois. C'est ce qu'il a demandé au Parti républicain en 2020. C'est servez euh, mes intérêts, même si ça veut dire aller contre la Constitution. C'est le, le, le marché qu'il avait mis en main à Mike Pence. On est dans la même logique. D'une certaine manière, avec son discours de Las Vegas, avec ces multiples posts cette semaine sur Truth Social où il demande aux gouverneurs maga d'autres états d'envoyer leur garde nationale d'envoyer leurs troupes soutenir le Texas alors qu'il y a eu une décision de la Cour suprême des États-Unis, pas une décision du département de la justice de Biden, pas un executive order de Joe Biden, une décision de la Cour suprême des États-Unis. Ce que fait Trump, c'est à nouveau un appel à l'insurrection. C'est ce que fait Trump. Trump est prêt à tout, et donc au pire, pour retourner au pouvoir. Parce que retourner au pouvoir est sa seule manière d'éviter la prison. C'est sa seule manière. Et c'est pour ça qu'il va falloir surveiller les prochains mois et les semaines qui suivront le 5 novembre prochain, parce que le titre de cette émission pourrait devenir extrêmement prophétique. Voilà. Voilà ce qui se passe au Texas, ce qui se passe au Texas est une nouvelle manipulation de Donald Trump et de ses alliés pour arriver à la maison blanche et reprendre le pouvoir. Oui, donc vous voyez, c'était plutôt euh, la, la manière dont j'ai abordé cette émission. C'était plutôt un sujet de, du samedi de la chute, mais on n'a pas pu faire l'émission. Donc c'était moins, euh, moins euh, un space qui est d'habitude plus, euh, plus euh, interactif. Donc euh, euh, on va quand même euh, profiter de tout ça. Si vous avez des questions, euh, c'est le moment. Merci Jacques Hébert qui est devenu un des membres et qui donc. Euh, pourra euh, utiliser nos euh, nos emojis merci beaucoup et donc oui si euh, si vous avez des questions c'est aussi le moment hein. c'est ça reste un space de un space de la chute où on est là pour pour inter pour interagir euh, Vladimir qui dit pourquoi on entend que le Texas l'Arizona et la Californie font face au même problème en ce qui concerne la frontière mais ils n'en font pas tout un foin. le Texas c'est Trump mais pas en humain oui parce que le Texas il y a un intérêt politique je vous l'ai dit en euh, 2024, euh, certains élus texans sont menacés. les démocrates peuvent faire un bon score au texas. donc, c'est un enjeu politique et trump dispose euh, d'alliés prêts à tout. Euh, contrairement à la californie, où on a vu le gouverneur c'est nous sommes, euh, contrairement à l'arizona, où euh, il a perdu, euh, il a perdu la majorité, euh, la majorité républicaine. et vu ce qui se passe actuellement, au sein du Parti euh, républicain de l'Arizona, euh, je ne pense pas euh, qu'il soit prêt euh, à en reprendre la majorité. Donc, il reste, euh, il reste le Texas. La Floride a joué euh, un petit peu ce rôle-là pendant des mois pour lancer la campagne de, Don, de, de Ron DeSantis. Mais le problème, c'était qu'ils n'ont pas de frontières. Donc, euh, c'est pour ça que DeSantis avait organisé de manière illégale. Euh, ces euh, espèces de faux charters où euh, il engageait des gens sur le terrain qui se faisaient passer pour des associations humanitaires, euh, qui euh, allaient voir des immigrants euh, clandestins dans, 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 dans ces espèces de centres et euh, les euh, faisaient s'embarquer un avion pour aller les expulser euh, vers des lieux de vacances ou des villes démocrates en disant ah ah vous voyez je vous ai bien eu. Et donc voilà, donc la réalité c'est qu'il ne reste que le Texas. Pour euh, faire ça, euh, Montréal, euh, qui, connaissant les précédents historiques avec Eisenhower et Kennedy qui ont mis les gardes nationales sous juridiction fédérale, qu'attend Joe Biden pour faire de même au Texas Parce que pour l'instant, c'est pas nécessaire. Euh, euh, pour l'instant, c'est pas nécessaire. La situation, elle est un petit peu, la, elle est un petit peu la, 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 la suivante. Euh, c'est que donc il y a eu cette décision de la Cour suprême. Abbott, le gouverneur du Texas, s'attend qu'à terme, euh, Biden fasse, euh, fasse, prenne cette décision donc de, 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 de placer la Cour suprême sous son autorité, euh, la Cour suprême, de, de placer euh, la Garde nationale du Texas sous son autorité, mais ça sera peut-être pas nécessaire. L'idée est de voir qu'est-ce qui va se passer au prochain incident. Donc, la prochaine fois que l'armée euh, euh, la, 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 fédérale décide, ou la Border Patrol, donc fédérale, décide de couper du barbelé pour aller sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. Si, à partir de là, il ne se passe rien au niveau de la garde nationale et que euh, ils ne sont pas empêchés de faire leur travail, ça sera la fin de l'épisode. Si l'armée, euh, la, si la garde nationale du Texas dit non, vous n'avez pas le droit de traverser, il n'y aura pas d'escalade armée, mais si jamais ils empêchent ou ils essayent de ralentir ce travail-là, euh, il n'y aura plus d'autre solution pour Biden de se prononcer. Mais c'est quelque chose qui sera fait, euh, évidemment, euh, en dernier recours. Euh, Vincent, salut Vincent. Euh, à part Fox, les autres TV parlent un peu euh, du viol et de l'amende, ou pas plus que ça. Oui, ouais, non, bien sûr. Euh, et et c'est pour ça que ça a été super important. Euh, il faut savoir que plus, plus la, la, la campagne Qu'est-ce qui se passe au Texas a été importante parce qu'elle révèle que, euh, on parlait d'autre chose dans les médias et sur les médias sociaux et dans les, 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 les télévisions. Euh, il y a même eu euh, Nikki Ali qui a été obligée de, euh, de dire qu'elle faisait 100% confiance à la décision euh, du jury le terme de viol, le terme de harcèlement, d'abus de, de, sexuels, ont été, ont été utilisés. C'est exactement ce que je vous ai expliqué lorsqu'on a fait cette émission en direct. C'est que l'ampleur du chiffre de ces 83,3 millions qui viennent se rajouter euh, aux 5 millions euh, auxquels Trump a déjà été euh, condamné, donc on arrive à 88, presque 90 millions de dollars, l'ampleur de ce chiffre-là a forcé la main euh, aux euh, médias euh, américains qui n'ont qui ont arrêté de parler simplement de, euh, de cette espèce de campagne, de cette also de savoir, ah ben tiens, c'est qui qui va arriver premier entre Nikki Ali et, et, et Donald Trump. Donc oui, on en a parlé. D'autres questions, Thomas Charles euh, qui nous dit super analyse, comme toujours. Ben, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, euh, Charles. Euh, on est arrivé à 300 pouces, c'est super. Bon, on a fait le tour des questions. Euh, si vous avez euh, rien d'autre, euh, on va euh, arrêter là. Donc j'espère que maintenant, vous savez ce qui se passe euh, au Texas et que euh, encore une fois, je sais que c'est le cas. Vous êtes extrêmement, euh, extrêmement vigilant sur les informations, sur les images qui passent. Mais euh, je vous le dis, moi, quand j'ai vu passer cette vidéo euh, dans ma timeline de euh, camions qui traversaient la frontière de l'Oklahoma euh, pour arriver au Texas et de savoir que c'est des images qui dataient de 2020, euh, c'est là que je me dis. Cette campagne 2024 va être la pire, va être ignoble. Soyez prudents sur vos sources euh, d'informations, y compris euh, lorsque quelqu'un se réclame d'une expertise. Allez vérifier ce qu'il a fait avant. Euh, c'est quoi son expertise? Euh, parce que euh, aujourd'hui, c'est ce que quelqu'un m'avait écrit en disant, voilà, en gros, euh, qui a parlé de ce qui se passe au Texas sur les réseaux sociaux? Ce sont un, les contes, euh, les comptes de l'extrême droite, de cette fachosphère habituelle aux États-Unis et euh, dans le monde francophone. Je sais qu'ils ont été extrêmement plaisant, euh, présents euh, sur euh, au niveau du Québec aussi. Et puis après, ce sont ces fameux comptes de journalistes euh, sur euh, sur Internet qui euh, qui nous euh, nous euh, racontaient euh, racontaient tout ça. Ça n'empêche pas que euh, au-delà de cette manipulation. Euh, il y a un problème à régler euh, au niveau de la frontière. C'est un thème que les démocrates doivent euh, euh, utiliser eux aussi dans la campagne. On va voir, il faut répéter, et les démocrates doivent le faire, mais pas que les démocrates, euh, les, les, les défenseurs de la démocratie doivent le faire que le texte de loi existe, il est validé par des républicains, il est validé par des démocrates, et s'il n'est toujours pas une réalité, c'est parce que Donald Trump, et Donald Trump seul, a mis son veto. D'un côté, il est le premier à aller nous parler de cette situation extrêmement urgente à la frontière, mais de l'autre, il fait tout pour que cette situation ne se règle pas. Voilà. Merci encore à toutes et à tous pour avoir été aussi nombreux à la dernière minute. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à celles et ceux qui nous ont soutenus en devenant un chutiste ou en nous aidant sur, euh, sup, via Super Chat, Super Stickers. Merci à celles et ceux aussi. Vous avez été nombreux qui viennent après les émissions en différé. Euh, nous aider via euh, Superflink, c'est vraiment euh, extrêmement sympa. Et puis, euh, si euh, vous avez euh, deux minutes, allez regarder ce qu'on fait sur euh, KissKissBangBang, Bang Bang. Thomas va vous mettre le lien euh, dans le chat. Voir si c'est la meilleure manière de nous euh, soutenir. Ça vous permet, entre autres, d'accéder euh, à un chat qui nous permet de discuter euh, justement euh, dans, ces, dans ce tcha chat-là que Charles. Dans celui de la, euh, du bureau Val qui était venu nous, me voir ce week-end en disant Mais William, qu'est-ce qui se passe avec le Texas Et donc, voyez, ça permet aussi d'avoir ce retour euh, pour euh, venir euh, répondre après euh, à, vos, à vos questions. On se retrouve très bientôt. On se retrouve peut-être dès demain. Euh, soyez à l'affût dans, dans, sur vos sources habituelles. Continuez à être vigilants. Et, euh, et puis voilà, merci beaucoup. Euh, C'était euh, un space de la chute consacré au Texas, aux manipulations autour du Texas. On se retrouve très vite. Merci beaucoup.